Et bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve sur Phoenix Wright. Phoenix Wright, oui, c'est ça. On se retrouve face à l'autre con là. Est-ce qu'on peut lui présenter un truc? Je ne crois pas. Peut-être ça. Ok. Il veut que je me barre. Hein? Déjà, le message est clair. Du coup, par où on continue? On va faire un tour un peu partout. Là, il n'y a rien de nouveau. J'aurais tendance à dire d'aller. Non. Et d'aller voir Rosenberg, du coup. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit éraclement de gorge. Touchez-tu! Ah! C'est vous! Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aviez l'air si pensif comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans son bureau? La plante? Non, non, c'est... Oh, non, il n'y a rien d'autre. Discuter. Alors, vous êtes venu assister au procès. Mais ça, on l'avait fait, non? Bon, maintenant, il y a Monsieur White. Donc, on va pouvoir lui poser la question. Mais du coup, ça, c'est déjà... Voilà, je suis allé chez Bookorp. Ah, bonjour, Monsieur Rosenberg. Je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon, quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste... Le tableau, parce que clairement... Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous me disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu, aujourd'hui. Dans le bureau du PDG de Bluecorp. Le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué. J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Il fait du chantage. Oui, je sais de quoi il s'agit. Voilà. Vous êtes amant. C'est tellement drôle. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Et ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être une opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir de nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez le suppléant de Mia. Peut-être que c'était ce destin. Mais de quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Bluecorp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. Ah oui, quand même! 15 ans? Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon, mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Ce que je dis, c'est qu'il a des informations, donc forcément, aller afficher dans les médias que un tel trompe sa femme, forcément, les gens ils y réfléchissent à deux fois. Quoi? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de le mettre en danger. Ne regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Bon bah, parle-moi de l'affaire. Qu'est-ce que l'affaire DL6? DL6 correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante? Son nom était Misty Faye. Voilà. Faye. Effectivement, c'était la mère de Mia. Donc c'est bien la photo, vous avez vu, c'était bien la mère. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Et elle avait échoué.
La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tout préfet. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça, l'affaire DL6. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg? À l'époque, l'affaire DL6 était classée top secrète. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je lui en ai parlé. Vous l'avez dit à White? Il m'avait offert des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Et bien entendu, White en a entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Et si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Ok, bon, on va aller voir chez Mia. Du coup, Hunter est sûrement payé très très cher pour ça. C'est marrant. Avoir cette pièce où t'as l'air si normal. Difficile à croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouverais des indices. Je devrais peut-être regarder ça plus près. Alors, je suppose que ça va être là-dedans. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont placées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner? Ah merde, c'était quoi déjà? Dossier. Merde. DL6, c'est ça. Elle n'en met nulle part. Ah! Voyons voir si un des rapports attire mon attention. A, B, F, Mystère. Ah! Non, d'accord, c'est dans ce sens-là. Misty Faye, la mère de Mia et Maya. Est-ce que je jette un œil? Bah oui, du coup. J'ai terminé l'image de la famille Faye. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ceux qui avaient contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts. Finalement, les noms des deux hommes me sont apparus. L'un était un Samuel Rosenberg, un avocat qui avait vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu des informations à la presse. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi elle a donné le nom de Rosenberg à Maya, à moins que ce soit pour nous mettre sur une piste, nous. Parce qu'elle disait que Rosenberg allait la défendre. Or, elle devait savoir que Rosenberg la défendrait pas. Surtout qu'il a trahi leur mère. Le nom était celui de l'homme qui a vendu les informations à la presse, ce parasite, qui a bâti sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... Le rapport prend fin ici. Donc Mia savait que Rosenberg... Ouais, du coup, on va être tout faire, hein. Voyons voir. JS, je ne vois pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Je peux peut-être juste parcourir les rapports vite fait. Bah, feuillette, on sait jamais. Oui, dans un paquet. Il y a pas mal de feuilletés rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S, suicide. Wow! Il y a un tas de rapports sur les suicides. Un politique, officier de police. Un qu'on a fait chanter, donc. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White. C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... Je peux utiliser ces coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Article d'un suicide, le mot White. Ok, je vais quand même garder le dernier, mais White. Il manque toute la section W. Aurait-elle été dérobée? Voilà, donc c'est pour ça que c'était déjà marqué comme étant validé. C'est qu'il n'y avait plus rien à voir ici. Ok. On va peut-être aller parler. Ah. Bon. Je pensais pas à elle. Je pensais
Amaya, mais apparemment pas, n'a pas accès. Alors, Rosenberg? Non. L'affaire c'était DL. Mais si on lui présente le. J'ai trouvé ça dans les dossiers de Mia. J'avais donc raison, elle a mené une enquête sur Red White. Si vous vouliez vous mesurer à lui, vous pourriez utiliser ça au tribunal. Bonne idée. Ok, bon, ça nous apporte pas grand chose. Enfin, si, ça nous confirme qu'on peut l'utiliser au tribunal, mais bon, ça, je comptais le faire de toute façon. Ok. Alors, ici, on n'a plus rien à faire. Sans détention, on n'a rien à faire. On va pas retourner le voir, je pense pas. Ouais. Il manque quelque chose, clairement. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message n'a pas l'air d'être imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, vous risquez de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Pourquoi m'examiner un coup? Ouais. Il tient un juge peut-être, hein. Parce que regardez, grand concours des juges, premier dauphin. Coupe de coopération des juges. Il est pas juge lui-même, hein. Donc s'il a récupéré tout ça, c'est qu'il l'a piqué à un juge. Toujours sous... avec du chantage. Quel est le problème? Vous semblez bouleversé. Ce type peut pas s'y mettre dans l'art de duper les gens. Je dois trouver un moyen de le coincer vite. Arrêtez ça, votre regard inquisiteur me donne la chair de poule. Alors écoutez, on va parler du chantage. Rien ne sert de poser une question aussi directe à quelqu'un d'aussi tordu. J'ai besoin d'une preuve qui puisse me servir de munition. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose entre les dents? Oh non, je comprends. Vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Je plaisante, bien sûr. Ne vous retenez pas de vos ne retenez pas vos éclats de rire, mon ami. Vous avez le droit de succomber au sens, à mon sens de l'humour. Je ne vous tiendrai pas, je vous en tiendrai pas ailleurs. Ok, il faut lui présenter un truc. Mais par contre, moi, j'ai pas envie de lui présenter ça, sachant qu'il risque de me le déchirer, hein. Ouais, on va quand même le présenter. C'est le seul indice que Mia m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia? Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul nom, White. Monsieur White, je sais que vous avez... que ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous le faisiez chanter. Chanter. Et pas seulement lui, vous menaciez et tyrannisiez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide. Mais tout ça, on devrait pas aller directement lui parler pour ça. On devrait le ramener au tribunal et là, on lui balance dans la gueule. C'est pas stratégique. Il y a Martine au plafond. Qu'est-ce que Martine fait au plafond? Ah oui. Alors pour le détail, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je sais plus dans quelle série, je l'avais dit, mais Martine, c'est ma fourmi de compagnie. Hein, c'est une fourmi qui passe régulièrement dans mon bureau, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, je viens de lever les yeux et elle est au plafond. Voilà, c'est énorme, mais je pense que c'est pas qu'une seule fourmi, on est d'accord, c'est plusieurs fourmis, mais j'ai une fourmi qui passe tous les jours chez moi. Voilà, elle se relaie. Du coup, elle s'appelle toute Martine. Ça me perturbe. Vous étiez mêlé dans tous les cas de suicide à laquelle Mia a enquêté. Toute l'activité de sa société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation. Monsieur Rong. Notez que ça passe Rong faux. Hein, qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment même? En ce moment, enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas. Vous devriez plutôt chercher l'assassin de Mademoiselle Mia.
Secrétariat, j'écoute. Monsieur Hong va partir. Très bien, monsieur. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute, monsieur White. Pourquoi? Vous avez raison, vous êtes... Sur quoi? Je ne sais pas sur quoi, en fait. Il est question de quoi? Vous avez raison sur le fait qu'on est censé enquêter sur Mia. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et vous avez tort, c'est pourquoi? Bon, je vais mettre vous avez tort, mais... Vous avez tort, monsieur White. Je vous demande pardon. Je devrais m'occuper de votre cas. D'accord, dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur votre trace. Elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à Mach Avril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors, le coupable est... Allons, monsieur White. Même un enfant trouvait la réponse. C'est vous qui l'avez tué. Secrétariat? Inutile de raccompagner monsieur Hong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. Ah! Monsieur White, c'est vous? Ça arrive à quoi de m'appeler à cette heure-ci? Allô, monsieur le procureur? Le procureur général. J'ai changé d'avis, je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia Fey! J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi vous aviez dit de ne pas vouloir venir au tribunal? Du calme, je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pour être violent. Quoi? Mais quel homme? Vous avez écouté ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, enfin... Quoi? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Ne vous ai-je pas dit, monsieur... Ne vous l'ai-je pas dit, monsieur Hong? Vous n'êtes qu'un simple avocat. Comme l'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous, vous aurez l'air doué. Je ne me sens pas très bien. Ah bah c'est nickel. Inspecteur détective au rapport, monsieur. Ah, des fesses. Poil des fesses. Poil des fesses, oh putain. White, en fait. Phoenix White. Et c'est mon ami qui s'appelle Paul. Ah ouais, désolé mon gars. Des fesses, c'est le meurtrier, c'est ça. Inspecteur détective. Je vous présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fey. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Hong. Oui, hein, c'est embêtant, hein. Nickel. On est bien, là. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit écoulé 15 jours depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu. Hunter compris. Alors, je suppose... Petite... Hein, je suppose que Hunter... Quelqu'un me fait chanter aussi. Oui, j'aime bien sa gueule et je trouve que oui, bon bah, oui, ça aide. Mais je reste persuadé que Hunter, c'est pas un vrai méchant. Un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé, j'ai une idée. White. Phoenix. Oh, Maya. C'est génial, ils vous ont libéré. Ah, on est dans le sens inverse, d'accord. Oui, juste à l'instant. C'est grâce à toi tout ça. Ah, j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que... J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère? Ma sœur? Et maintenant toi? C'en est trop. Phoenix, dis-moi s'il y a quelque chose que... Quoi que ce soit que je puisse faire. Eh bien...
Ah, on demanderait à Maya de nous défendre. Elle connaît les techniques de sa sœur, il y a moyen, hein. M'encourager lors du procès, bon, ouais, mesdames évadées, c'est pas la peine. D'accord. Vous pourriez être mon avocate demain. D'accord. Ah? Je m'en charge. Après tout, je suis la sœur de Mia, non? On a ça dans le sang. Ce n'était pas des pouvoirs surnaturels que vous aviez dans le sang? Je cours à la librairie et m'achète un exemplaire du droit pour les nuls. Ah, on est bien! Attendez, attendez, attendez! Quoi, 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 quoi? Je plaisante, c'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Ah! Je sais pas du coup ce qu'on est censé m'encourager. Et de toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais, enfin, juste dit, je pense qu'on peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas avocat de faire l'avocat. Hein, ça me paraît logique. Mais je peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller dire ces quatre vérités à ce type. S'il y en avait que quatre. D'accord. Et puis vous viendrez au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs. Elle prend des risques, la dame, hein. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance étaient limités à 3 jours. Ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je me retrouverais moi aussi sur le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. Et comme ça, c'est lui ou moi. C'est la merde! Allez, on est parti pour une petite session tribunal. Je pense que la vidéo risque d'être un peu longue là, du coup. Bon, je crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah, Phoenix, regarde. Oh, bonjour Hunter. L'avocat Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que quoi que je dise, Monsieur White, aujourd'hui, ça sera la stricte vérité. Quoi que dise Monsieur White, aujourd'hui, ça sera la stricte vérité. Ah, il faut considérer que quoi qu'il dise, de toute façon, ça sera la vérité. Tu sais très bien que tu sais que tu te fais qu'on te fait chanter toi aussi. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Oh, regardez-moi cette bouille, même lui il sait. Il sait, je suis sûr qu'on fait chanter. Si j'émets une objection, je crois de toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi? Ouais, t'as aussi le juge dans sa poche? Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable. Point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur White. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvons-nous en être sûr? Les coupables ne diront jamais la vérité de peur de démasquer. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Ah ouais, bah par contre, il y a des accusés qui sont innocents, hein, mon grand. Hunter, vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espère aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Phoenix. Bon, la séance ne va pas tarder à commencer. Donc ils se connaissent. Quoi? Mais attends, ton avocat n'est même pas arrivé, il n'est pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi? Oui, c'est ce que... Voilà, c'est ce que j'avais dit. Ok, c'est parti. Ça me paraissait plus logique. Il a l'air sympa, le policier, à gauche. Il a toujours un petit sourire. Allez. Je déclare ouverte la séance du procès... Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix White. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur White, êtes-vous bien sûr de vouloir faire ça? Oui, votre honneur, j'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien, monsieur Hunter. De toute façon, il est foutu dans tous les cas, donc autant qu'il déclare lui-même, hein.
Monsieur Hunter, vos déclarations préliminaires, je vous le prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par, par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son, son témoin. Il y avait plein de trophées de juges dans le bureau de White. Hein? D'ailleurs, Monsieur White, ça commence à être... ils auraient pu, hein. White, ouais, bon. L'accusation peut appeler son témoin. Si tout se passe, tout se passe bien trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit mettre une objection, c'est bien moi. Ouais. Monsieur Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de Mademoiselle Maya Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur White est un homme très pris. Et puis, à l'époque, je pensais que la seule l'opinion de Mademoiselle Vril soit utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, Monsieur Hunter. J'apprécie votre comportement. Super, lui il fait le beau et moi je fais du sur place. Je souhaiterais appeler Monsieur Red White à la barre. Allez, on va se le cuisiner lui. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation. Waouh, ça brille. Votre nom. Oui, c'est ce que je dis. Oh mon dieu, mes locutions vous troublent. Votre nom. Alors, je suis désolé, mais là, la façon dont il lui parle, clairement, il l'a en train de la gorge. Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanco Nino. Je suis le PDG, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Blue Corp. Connaissez-vous la victime, Mademoiselle Maya Fey? Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. On a déjà un truc, là, c'est qu'on sait très bien qu'il est lié à l'affaire. Vous étiez à l'hôtel Gateway le soir du meurtre. Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre. Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien, monsieur White. Vous pouvez commencer votre témoignage. Je ne parviens pas à démonter le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant. Allez, commençons ça. J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Allez. Voyons voir, c'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement, je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des piques agressant une femme aux longs cheveux. Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé monsieur et madame Vril. Elle aussi était totalement médusée, bien entendu. La victime a... Elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage. Et c'était terminé. Aïe. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé. Je veux dire, monsieur White. Votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Je vais devoir attaquer parce que j'ai pas vu de faille pour l'instant. On va attaquer sur tout, hein, et puis on verra bien. Comment savez-vous l'heure qu'il était? Parce que je suis toujours absoposilument parfaitement parfait, voyez-vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous vous en sortirez pas comme ça. Vous êtes si méfiant, monsieur l'avocat. Enfin bref, quel est le terme exact pour désigner une secrétaire déjà? Peu importe, mademoiselle Vril a demandé le service de chambre pour 21h. Ça s'est passé à peine quelques minutes plus tard.
c'est également ce que Mademoiselle Vril a dit. Non, bah là, à ce niveau, je... Je n'ai rien à gagner à insister davantage sur ce point. Bon, que faisiez-vous à ce moment-là? Je compulsais tranquillement... pardon, je lisais le livre à la fenêtre. La fenêtre dont vous parlez est bien celle située juste en face du cabinet. Exact, c'est la seule fenêtre, voyez-vous. Et c'est là que vous lisiez le journal. Exact. L'hôtel Gateway accueille des hommes d'affaires. Or, je suis un homme ayant fort à faire. Quand j'ai entendu le chahut terrible dehors... Un chahut. Oui, quand vous l'avez agressé, je présume. Bon, poursuivez. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble en face. Donc, jusqu'à ce que vous entendiez le bruit, vous lisiez le journal. Mais bien sûr, je ne suis pas un fouineur qui mate par la fenêtre à la nuit tombée. Pas un fouineur, bah voyons. Votre carrière entière repose sur ça. C'est là que je l'ai vu, un homme coiffé avec des piques agressant une femme aux cheveux longs. Je trouve pas de faille, putain! Des piques. Ce que vous venez de dire est directement en contradiction avec le témoignage de Mademoiselle Vril. Mademoiselle Vril a clairement affirmé que l'agresseur était une fille. J'ai toujours été très fier de ma vue, monsieur l'avocat. Et quelle est-elle? En comptant les deux yeux, 20. Ah, de combien est-elle? Ah non, mais 20. Mais on additionne pas les notes de chaque yeux. Je pense que le témoin essaie de vous dire qu'il a une bonne vue. Hey, il est du côté de qui, je juge? Bah, pas du tien. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Je l'ai tout de suite appelé Mademoiselle Vril. Elle a été totalement médusée, bien entendu. Que faisait Mademoiselle Vril à ce moment? Elle venait de regarder une série télé et pleurer à chaudes larmes. Savez-vous qu'elle avait mis le téléphone du cabinet de Faye sur écoute? Ceci hors de propos. Ça n'a rien à voir avec l'affaire en cours. Mais si! Je m'en fiche, je vais répondre à la question de cet avocat effronté. Mademoiselle Vril a agi de son propre chef lorsqu'elle a mis le poste de cette Madame Faye sur écoute. Vous feriez un très bon homme politique, Monsieur White. Oh, après tout, je suis elle, présidente. Veuillez poursuivre. La victime a voulu s'enfuir, mais vous lui avez quoi après? Pourriez-vous être un peu plus précis sur ce sujet? Il y a une histoire de droite-gauche à la limite. Ça pourrait ne pas coller. Parce que Vril a dit qu'on était pas, qu'elle avait fui vers la droite. Si lui il dit vers la gauche, je pense que ça vaut la peine de savoir ce qui s'est passé exactement. Bien sûr, capito, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, elle est partie sur la gauche là. Et puis elle s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivi puis assommé. Vous en êtes parfaitement sûr? Vous en êtes parfaitement certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours absoposi luminement parfait. Vous pourriez modifier votre déposition pour qu'elle reflète ce nouveau détail? La victime s'est enfuie vers la gauche. Attendez, parce que je retrouve pas le bouton RB présenté. Donc ça colle pas avec ça. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon? Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, le témoignage de Vril affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, c'est très simple. Vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. La victime ici. Si, comme vous le dites, la victime s'est enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé de la porte, à la porte, pour foncer droit vers un mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. Je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage. Je n'ai pas l'impression qu'il monte cette fois. Bah oui, il était dans l'autre sens. C'est lui qui est en face, donc forcément, pour lui, il était à gauche. Enfin, il est parti à gauche. C'est vrai. Peut-être qu'il l'a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors, il aura assisté au meurtre. Une petite minute. Monsieur White? Oui, votre honneur.
Vril dit droite, White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction? Ouais, il y en a un qui était en face. Tous les deux ont raison. Que les deux témoins disent la vérité, pour une fois. Alors ça, j'en doute. Enfin, cela n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur version divergente. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Monsieur White, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Fayenko, bien entendu. Il se tenait même exactement ici. Montrez à la cour, soyez monsieur White. Là. Il se trouvait là. Regardez. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il lui aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. C'est ce qu'on dit. Silence. Je vous demande un silence. Tout perturbateur sera exclu. Monsieur White, qu'est-ce que vous insinuez? Vous rien. Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Oh oh oh. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole? Bah oui, il a les os dans sa poche, forcément qu'il rigole. L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair, c'est pourquoi... Monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Très bien, entendons votre nouveau témoignage. Bon courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça avait l'air impossible. Le témoignage de Mademoiselle Vril est correct, et le mien aussi. Lorsque vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez alors frappé sauvagement. C'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Il n'y a pas eu d'autre coup. Vous l'avez poursuivi et lui avez asséné le coup de grâce. C'est ce que Madame Brille a vu. Vous comprenez? Elle vous l'avait frappé deux fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Ça me paraît cohérent. Souhaiterez-vous interroger le témoin? Tu parles si je veux. Je veux dire, ah oui, monsieur oui, votre honneur. Le témoignage, on va tout attaquer quand même pour voir s'il y a une autre faille. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est justement ce que j'allais expliquer. Vous, les Français, vous êtes toujours si impatients. White est français? Ah. Ou alors c'est juste qu'ils ont traduit vite fait qu'il est japonais à la base et je crois pas que ce soit en France à la base. Hein. Ça aussi, pas vraiment. Eh mon pote, toi aussi t'es français. Oh, bah. Lorsque vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Qu'est-ce que vous entendez par d'abord? D'abord, c'est ce qui vient avant de... c'est ce qui a lieu ensuite. Vous parlez français, non? Installez-vous confortablement et détendez-vous. Je vais tâcher d'utiliser des mots simples. D'abord, elle a couru vers la gauche. Ensuite, vous l'avez alors frappé sauvagement. Il n'y a jamais eu de deuxième. Je n'ai frappé personne. Monsieur White, ce n'est plus la peine de cacher les choses à cette cour. Je ne cache rien. L'accusation demande que la défense les interrompe le témoignage. Monsieur White, vous avez reçu un avertissement. Mais pourquoi est-ce qu'il m'en veut? Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Qu'est-ce que vous entendez par ensuite? Ensuite, c'est ce qui vient après d'abord. Putain, mais... Ça, je sais. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, monsieur l'avocat. Je disais donc qu'elle s'est retournée dans un élan désespéré et a fui vers la droite. Vous l'avez poursuivi et lui avez sonné le coup de grâce. Arrêtez de dire que c'était moi.
Mais c'était vous. Monsieur White, si vous clamez votre innocence, prouvez-la. Il n'y a donc rien que je puisse faire, rien. Puis-je poursuivre? C'est ce que Madame Vril a vu. Ouais. Donc, chacun de vous a assisté à des scènes différentes. Absolument. C'est juste... Où était-il? Où était-il? Avait pêché une expression pareille. Enfin, poursuivons. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous l'avez frappé deux fois. C'est là-dessus qu'il faut que je l'attaque, je pense. Donc, vous avez vu deux scènes? Je suppose que oui. Veuillez m'excuser de ne pas l'avoir dit plus tôt dans mon témoignage. Qu'est-ce que tu en penses, Phoenix? Je pense que nous avons réussi à l'amener là où on voulait. Il a commis une erreur. Laissons-le rire pour l'instant. Je vais bientôt lui ôter le sourire de son visage. Le témoignage de Mademoiselle Ville est un... Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est justement ce que j'allais expliquer. Ah oui, non, d'accord. On est sur le début. Donc... Vous l'avez poursuivi à ces... Hein, c'est ce que vous avez vu. Vous comprenez, vous l'avez frappé deux fois. Présenté. Dû à un choc violent. Monsieur White, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Je m'abstiendrai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner sa déposition? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Oui, tout à fait. Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que justice soit faite, ne le laissez pas sortir. Très bien. Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage, j'ai la salle avec moi. Tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, White. Monsieur White? Oh, ok. Il commence à tirer la gueule, là. Alors, voyons. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu que cette chose tombait. Ah, on va peut-être en arriver aux éclats. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin vous l'avez attaqué. Mais elle a réussi à esquiver le coup. Et ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau. Un seul coup, elle suffit. Paf. Paf, en effet. Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Monsieur, votre honneur, mon ventre, j'ai mal. Tu restes là, on va te cuisiner. Faites avec. C'est presque terminé. Il n'y a qu'une fenêtre. Vous avez entendu cette chose tomber? Qu'est-ce que c'était exactement? Le lampadaire en verre. Ok, celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Phoenix, il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Bah, il l'a entendu sûrement parce que... Parce qu'il était là, ça on est d'accord, mais... Les débris sont absolument pas identifiables. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je vais continuer dans cette voie. Monsieur White. Hein? Quoi? Vous êtes en train de me dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oh, oui. Alors, veuillez revoir votre témoignage quand même pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise. Le témoin a prié de corriger son témoignage. D'accord. Bien sûr. J'ai vu un lampadaire par terre. On va faire le pari de présenter ça. Monsieur White. Vous ne pouviez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi?
Le lampadaire s'est brisé en mille morceaux lorsqu'il est tombé. Les éclats de verre seuls ne vous auraient pas permis de savoir qu'il s'agissait d'un lampadaire. Alors dites-moi, quand avez-vous vu exactement ce lampadaire? Répondez à la question. N'est-ce pas évident? J'ai vu ce lampadaire avant qu'il ne tombe. Donc vous avez vu avant que la victime ne soit attaquée. Exact, c'est bon. Nos problèmes. Gros problème. Parce qu'il est hors de champ de vue de la fenêtre. Il y a un gros problème. Un problème, je veux dire. Quel problème? Monsieur White, laissez-moi vérifier si j'ai bien compris. Vous avez vu le lampadaire par la fenêtre depuis l'hôtel. Avant que ne se produise l'incident. Exact, c'était ça, c'est ça. C'est probant, en définitif, indéniable, incontestable. Non, c'est impossible. Vous n'avez pas pu voir ce lampadaire. Quoi? Et pourquoi? Vous pouvez le prouver? Le plan. Oui, j'en ai une, votre honneur. Depuis l'hôtel, il est impossible de voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. On va vérifier, hein, mais... Ouais, le lampadaire était sur la gauche, donc c'est bon. Regardez ceci. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous devriez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voici la partie de la pièce que vous seriez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible. Alors, monsieur White, comment pouvez-vous répondre à cela? Ridiculosité. Monsieur White, si vous vous trouviez à l'hôtel Gatewater, comme vous l'avez affirmé, vous ne pouviez pas voir ce lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Maintenant, il était par terre. Et jamais vous n'auriez pu deviner que les éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit où vous pouviez le voir, c'était du cabinet. En d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Ah, là, c'est bon, on l'a... on l'a un petit peu achevé, le monsieur. Ouh, il va s'énerver. Monsieur White. Monsieur White. Vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Votre honneur. Mademoiselle Mia. On dirait que le verdict va bientôt tomber. Ah, mon avis, non, mais... Ah bah. Hunter! Trop, c'est trop, Phoenix Wright. Quoi? Zut, j'avais oublié Hunter. Ah, moi, je n'oublie pas Hunter. Hein, Monsieur White. Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? Hunter qui se retourne. J'ai dit que vous deviez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone sur écoute? Ah, il est en train de dire, oui, d'accord. Il est en train de le pousser à dire qu'il est passé avant et que c'est pour ça qu'il a vu le lampadaire. Monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Membre d'honorable de cette cour, Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est PDG de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Machavril, de placer le cabinet de Mademoiselle Faye sur écoute. Quel rapport avec notre affaire? Votre honneur. La question est, quand le téléphone a-t-il été mis sous écoute et par qui? Non, vous n'oserez pas. Monsieur White, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Faye. N'ai-je pas raison? Oui, vous avez parfaitement raison, Benjamin. Benjamin, quoi, c'est... Je rêve, c'est pas vrai.
Oui, pour le placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fake & Co. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Voilà. Merci, Hunter. Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que ça signifie, monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que le seul moment où White a pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, monsieur White voudrait que vous pensiez que monsieur White est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que monsieur White s'est rendu dans le bureau bien avant le meurtre. Il y est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Ça reste un crime, mais effectivement, du coup, il paierait moins cher dans ce cas-là. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de monsieur White brille par son absence totale de fondement. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Je m'en charge. Je crois bien que je vais m'évanouir. Ça, tiens le coup, mon grand. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet de Fay & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Ah, il n'y a que 4 phrases. Donc vous avez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. C'est pour ça que vous avez pu déterminer qui était tombé, au bruit. Exact, c'est tout à fait ça. Je vois. Très bien, monsieur White. Vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne chance, Phoenix. Ah bah merci, tu me soutiens. Ça... Ah, attendez, je vais juste regarder ce que j'ai. Je n'ai rien. Vous pouvez le prouver? Mademoiselle Machavry connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Fay, mais cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. J'étais entré dans le cabinet là. Hein. Est-ce vraiment vous qui êtes allé dans le bureau? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Vril? Il mord, hein, là, Hunter, et il chasse, c'est le cas de le dire. Les empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été retrouvées. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Tel que je connais Hunter, il a déjà dû vérifier ses empreintes. À présent, Monsieur White, dites-nous pourquoi vous êtes allé dans les locaux. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia sur écoute? Ça ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Blue Corp est une agence de détective, en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. C'est là que j'ai vu le lampadaire en verre. J'ai rien à présenter, là. Pourquoi avoir remarqué quelque chose aussi insignifiant qu'un lampadaire? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic, je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi bellissima mérite attention, non? C'est tout. Bon sang. Il n'y a rien qui me permette de lui mettre la pression. Et puis... peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je l'ai au bluff. Oh putain, au bluff, non. Alors là... Putain, j'ai rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je mette? J'ai aucune idée de ce qu'il faut mettre là. Début septembre. Il n'y a rien qui pose souci. 5 septembre. Ouais. J'ai pas d'idée.
Ouais, c'est ça. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas aller plus loin, monsieur Wright. Il est venu d'avouer que vous êtes vaincu. Vous êtes défendu de façon honorable. C'est terminé. Je peux plus rien faire. Monsieur Wright, vous abandonnez? Bah non, mais... Ah! Mais non! Pas de game over quand même! Phoenix! Phoenix, pas ici. Je connais cette voix. Mia? N'abandonne jamais, Phoenix. Mais Mia? Le mec, il commence à voir son ancienne patronne, quoi. Où suis-je? Ah ouais, carrément tombé dans les maps, nickel. La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ah oui. J'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Ah, tu es enfin réveillé. Et t'es pas mort, toi? Ah! Il tombe dans les maps. Phoenix. Ah, c'est comme ça que tu accueilles une vieille amie? Phoenix, je veux que tu me regardes. Mais t'es en vie, mais comment? Ah, d'accord. Ah, la seule chose qui correspond entre les deux, c'est le symbole au niveau de la poitrine et la poitrine elle-même. Hein, je tiens à le souligner, donc je sais pas comment il a réussi à les comprendre. Hein. Vous êtes Maya. Ne sais-tu pas que les femmes de la famille. Ne sais-tu pas que les femmes de la famille Fey ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, ça a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Donc Mia parle au travers de vous, Maya. C'est exact. Ah oui, d'accord. Non, c'est bien Mia. Ah, c'est exact. Je suis Maya, mais également Mia. À présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus, tu ne peux pas. C'est ce que je suis venu te dire. Mais... Non, pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant, écoute. Tu as déjà gagné. Hein? Tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Oui. Celui... Les empreintes digitales. Oui, mais je pouvais pas le présenter. Alors oui, il y a les empreintes digitales du coup de l'autre. Si on peut les comparer, mais j'ai pas les empreintes digitales. Et Phoenix, c'est White qui a écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde le recto du reçu. Le recto? C'est un reçu, tout ce qu'il y a de plus banal. On dirait que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 euros, waouh, sacrée dépense. Article, lampadaire en verre. Oh, je pouvais pas le savoir avant. Donc le lampadaire a été acheté le jour d'avant. Date de l'achat, 4 septembre. T'avais la réponse depuis le début du coup, fallait juste lire le ticket. Putain. C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. C'est con, t'en as pas profité longtemps. Or, qu'a dit Monsieur White dans son témoignage? C'était début septembre. Une semaine avant le meurtre, donc c'est pas possible. Il a dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es. Je crois qu'il y avait vu que l'audience va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais, je sais que t'es... Enfin, tu sais que t'es innocent. Tu n'as plus qu'à le prouver. Oui. Merci de me rajouter des infos, parce que là, franchement, je pense que j'étais obligé d'en arriver là, parce que de toute façon, il n'y avait pas les infos. L'audience du procès de Phoenix Wright va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé, enfin, vous sentez bien, monsieur Wright? Ouais, pardon, votre honneur. Je me sens mieux. Très bien, alors reprenons si nous étions arrêtés. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de monsieur Wright est terminé. Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé, monsieur Phoenix Wright. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais comme l'a dit Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Je dis, accordons à Phoenix Wright sa dernière chance. Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Alors.
coup, j'avais pas ça à présenter tout à l'heure. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya, écrit avec du sang. Vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez le recto de ce reçu. Le recto? Votre honneur, pouvez-vous lire à la cour ce qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre, la date d'achat, mais c'est la veille du meurtre. Vous voyez, Monsieur White, lorsque vous êtes soi-disant pénétré dans le cabinet de Fay & Co. début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Aïe, il a mal. Attends, un petit coup de plus sur le bureau si tu veux bien. Monsieur White, cette fois, vous n'en tirez pas comme ça. Non, c'est improvisageable. Il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression. Mais vous serez d'accord avec moi, au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Je déclare donc le procès de... Objection. Pas si vite, Phoenix White. Hein? Quoi? On va pas trouver encore un subterfuge? Oh, c'est vrai, j'ai oublié Center. Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Phoenix White. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Fokker White retrouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications? Pas encore un de ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère. Ce type fabrique des preuves comme ça lui chante. Ça sent grossi. La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune prolongation de l'audience n'est nécessaire. Alors, Monsieur Hunter, si quelqu'un a demandé un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection rejetée. Quoi? Bon, eh ben, on va y retourner à... Le jugement contre le dans le procès de Monsieur White ne sera rendu que demain. Non, on ne peut pas prévoir ce qui se passera si je ne mets pas... On peut pas prévoir ce qui se passera si je ne mets pas la fin à tout ça maintenant. A tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose ou fabriquer toute pièce. Alors que Mia est réapparue pour m'aider et tout. Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi? Bien sûr, merci de nous avoir consacré du temps. Le témoin restera là. Mia. Phoenix. Lis cette note à voix haute. Mia. Qu'est-ce que c'est? Oh! Votre honneur, si j'ai pu me permettre, vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur White. Tu parles que je le suis, ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop! Halt! Basta! S'il vous plaît, stop! Faites-le taire! Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez-vous votre culpabilité ici et maintenant? Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. Je suis pas sûr qu'on puisse bien faire du chantage normalement au tribunal. J'avoue, c'est moi. Je l'ai frappé. J'ai frappé Mademoiselle Mia. Avec le penseur. Affaire classée, votre honneur. C'est un peu frustrant parce que du coup, c'est Mia en fait qui a. Bon, après, c'est Mia qui s'est vengée. Donc, c'est plutôt bien de ce côté. Mais c'est un peu frustrant parce que du coup, c'est Mia en fait qui a résolu l'affaire. Nous, on était dans la merde. Cette gueule, sérieux. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès, Monsieur White. Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi. Vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit.
Oui, votre honneur. Je pense que l'on peut dire ça. Si vous saviez le rôle joué par l'esprit. Très bien. La cour déclare la défense. Plutôt l'accusé, monsieur Phoenix Wright. Non coupable, ça me fait du bien, merci. Voilà, la séance est levée. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau. Mais félicitations. Tu as de la chance que je sois de la famille Fay. Aïe, aïe, aïe. J'ai de la chance que vous soyez de vous avoir à mes côtés, Mayaïve. Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je... pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Bah, t'es déjà morte, en fait. Tant que vous serez vivante. Il ne me reste que peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je peux pas rester très longtemps. Quoi? Non, il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous retrouverons. Patron! Hey, je ne suis plus le patron maintenant. Phoenix? Peux-tu me dire au cabinet ce soir, disons à 21h? Au cabinet? À tout à l'heure. Patron, Mia! En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Tu es venue, Mia? J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venue. C'est très bien. J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un burger? Mia? Non, c'est Maya. Waouh! Tu aurais dû voir ta tête? Mia? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya. Maya? Qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Ressemble? Mais vous étiez elle? Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir. Oh, allez, Phoenix, va me chercher à manger, s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça. Tu vois, Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin de... Elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec ton nouveau cabinet d'avocat, White & Co. Et qui mieux que moi, Maya Fay, à ton service. Attends, non, finalement, faisons ça de manière moins officielle. Yo, Nick, c'est Maya qui te parle. Prête à s'éclater au taf. Tu veux bien que je t'appelle Nick? Alors, du coup, j'aimerais bien savoir, Phoenix, White, pourquoi Nick? Alors, je suppose que... Ouais, je sais pas trop. C'est un super prénom. Mia m'a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Nick. Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je me retrouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocat White & Co. Ça sonne bien. Ouais. Merci Maya. Oh, c'est beaucoup trop joli! Quelle chance, bonne chance, Phoenix. Je garderai toujours un œil sur toi. Bon, ok, Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers en douille! Les hamburgers! Ils en font des bons au coin de la rue. Allez, vite! Ouais, attends-moi. Et on a fini notre enquête! Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré attendre encore un peu pour après le tribunal. On va passer la prochaine fois à cet épisode-là. Non, je ne veux pas le lancer. Voilà, c'est bon, on peut sauvegarder avant. En fait, je voulais juste retirer pour voir le titre et ben, on ne peut pas. Et ben voilà! Et ben écoutez, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, ça nous fait une bonne petite vidéo.
Et on s'en est sorti. Bon, grâce à Mia, très clairement. Il y a la frustration de se dire que c'est pas nous qui avons réglé l'affaire, parce que bon, sans l'intervention de Mia pour nous dire retourne ce putain de ticket, on n'aurait pas eu de réponse. Après, ça lui a permis de se venger, parce que c'est elle du coup qui s'est fait justice, c'est pas plus mal, voilà. Ok, et bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à toutes!